Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un sujet que l'on ne parle plus vraiment assez dans nos églises. Nous allons parler du fruit de l'esprit. Et on retrouve le fruit de l'esprit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. On dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, les fruits de l'esprit sont des vertus que toute personne peut posséder. Même celui qui n'est pas chrétien peut posséder ces vertus-là. On les a bien énumérées. L'amour, il n'y a pas que les chrétiens qui ont l'amour. La joie, il n'y a pas que les chrétiens qui ont la joie. La paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Mais une fois qu'on enlève une de ces vertus, ce n'est plus le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'ensemble de toutes ces vertus. Il suffit d'enlever une seule de ces vertus et ce n'est plus le fruit de l'esprit. Et seul le chrétien peut avoir toutes ces vertus-là dont on parle pour faire le fruit de l'esprit. Bien-aimés, mais aujourd'hui nous allons nous attarder un peu plus à une de ces vertus, la bénignité. Bien-aimés, qu'est-ce que la bénignité? La bénignité, sur la définition, c'est une qualité d'une personne bienveillante et douce. Une personne bienveillante et douce. On a tous déjà rencontré des personnes comme ça, bienveillantes et douces. C'est une caractéristique qui frappe assez. Et souvent, on peut reconnaître qu'une personne est bonne quand elle a la bénignité. La bénignité, c'est vraiment une personne qui est caractérisée par la douceur. Et d'ailleurs, en médecine, quand on parle de quelque chose de bénin, il y a bénin et malin. Donc, c'est la caractéristique de quand on parle de tumeur, par exemple. On parle d'une tumeur qui ne peut faire de tort. En opposition à tumeur maligne. Quand on dit tumeur bénigne, c'est-à-dire qu'il peut faire de tort. Donc, ça veut dire que une personne qui a la bénignité ne peut faire de tort à personne, quel que soit le problème. Elle peut faire de tort. Alors, tout chrétien devrait être bénin. Avez-vous déjà rencontré une personne comme celle-là? Est-ce que vous êtes bénin? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que les gens pensent de vous? Quand on parle de vous, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut dire qu'il est bénin? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 13, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui demande à ses disciples: que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Bien, mais est-ce que vous avez déjà demandé, vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que les gens pensent de vous? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé à ses disciples: qu'est-ce que vous pensez de moi? Mais il a demandé: qu'est-ce que les gens disent que je suis? Parce que si vous posez la question, la plupart des gens à vos proches, ils n'oseront pas vous dire la vérité. Peut-être que votre femme peut vous le dire. Que dit-on que je suis? Bien-aimé, est-ce que vous avez la bénignité? Est-ce que vous êtes bénin? Bien-aimé, il y a des gens qui, d'apparence, sont très bénis. D'apparence, sont très gentils, très douces, mais une fois que vous le provoquez, vous ne le reconnaîtrez plus. Mais le chrétien, dans la vraie bénignité, qui n'est pas seulement apparente, quand vous provoquez quelqu'un qui est bénin, vous pouvez le provoquer comme vous voulez, mais quelle que soit la provocation, elle ne pourra pas vous faire du tort. Et c'est ça la différence entre un chrétien et un païen qui est doux, qui est bon. On dit: ah, ce type-là, il faut faire attention. Il est très doux, mais si vous le dérangez, vous n'allez pas le reconnaître. Ce n'est pas le cas pour un chrétien. Un chrétien doit rester bénin, doit rester doux, doit rester bon, quel que soit le problème que vous le feriez.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, à la fin de cette étude, essayez de demander à votre entourage, qu'est-ce que les gens pensent de vous? Est-ce qu'on pense que vous ne pouvez faire de tort à personne? Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes bon? Si vous ne l'êtes pas bien-aimé, sachez que vous n'avez pas le fruit de l'esprit. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Parce que la Bible dit que nul ne rencontre le Seigneur Jésus-Christ et reste le même. Si vous étiez méchant, si vous étiez arrogant, quand vous étiez païen, mais une fois que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, cette caractéristique de méchanceté doit rester en vous. On doit voir en vous la bénignité. J'étais choqué en regardant la télévision. J'ai vu un pasteur qui injuriait les gens. Waouh! À la télévision, injuriait un pasteur. Il y en a plusieurs qui injurient les gens, des insanités. Et les fidèles ne peuvent pas comprendre que cet homme-là n'a pas le Saint-Esprit. Les fidèles ne peuvent pas comprendre que cet homme-là n'est pas un envoyé de Dieu. Chaque dimanche, il vient, il injurie les gens, il injurie ses adversaires. Bien-aimés, cultivons ces vertus qu'on appelle l'ensemble qui forme le fruit de l'esprit. Et vous verrez votre vie transformée. Et vous verrez le Saint-Esprit agir en vous. Que Dieu vous bénisse.